Tongola maboko na yo place ozali. Banda ko kumisa ye. Banda ko pambola ye. Kumisa ye. Sanjola ye. Abongina lokumu. Kumisa ye, pambola ye, netola ye. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Mashoba de Gaboro Boshida Bayata Gabay. Eso bro de Gede Bokoshon do Brodo Bokoshika Paragatu Bokoskatiela. Aya te Gede Bokoson do Brodo Bokoshika Paragatu Bokoye Gedebo Pontoria. Oh, yes. To commission to Natalie. Merci pour la nyonso zo sala parmi nous. Merci pour tout ce que tu fais parmi nous. Merci pour ta présence dans ces lieux. Attendez au bon âme aux alisinaux. Lokumu nyonso ezonge la yo moko. Que toute la gloire te revienne. Merci mon Dieu, mon roi. Shebabo shalabaya tegere boko soto prodia. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In Jesus' name. Amen. Papa, nous disons merci encore pour cette soirée. Papa, te pestio matondo li susu pona poko alelo. Merci encore pour cette marathon. Matondo li susu pona molulo ya losango. Merci pour na nyonso osali. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la révélation ya lilo banayo. Merci pour la révélation de ta parole. Merci denge ofungoli biso miso. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Tosso sur la base mystère ya royaume. Pour comprendre les mystères du royaume. Olobi tokoyeba solo solo oyo toyebi ekokango la biso. Tu as dit nous connaîtrons la vérité et la vérité que nous connaissons nous délivrera. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Merci pour la transformation. Merci pour les transformations. Lokumuyon sezonga epaina. Que toute la gloire te revienne. Nabutu alelo. Ce soir, toye lisusu pas liboso ya mutu mais liboso na yo zambe. Nous sommes revenus non devant un homme mais devant toi notre Dieu. Simba biso. Touche-nous. Bikisa. Guéris. Kangola. Délivre. Et to jure kozongi sa lokumu yonso epaina. Et nous jurons de te rendre toute la gloire. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Bete la Yesu maboko makasi de mito zovani. Acclame pour le Seigneur alors que tu t'assois. Beta 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 abongina lokumu. Acclame pour le Seigneur, il est digne de tes acclamations. Alléluia. Nasambeli okobi mate lolengi okoti awa na butu alelo. Je prie que tu ne sortes pas de cet endroit de la manière dont tu es entré. Soki ondimi ki okobi mate lolengi okoti awa na butu alelo beta kache ya men ya mzoto munene. Si tu crois que tu ne sortiras pas de la même manière tu es entré, dis un très grand amen. Alléluia. Yamba voisin na yo yebisa na yambio na temple des signes et des prodiges. Souhaitez la bienvenue à votre voisine, bienvenue au temple des signes. Yebisa denge oyé na butu alelo signes des prodiges et gozonga elongo na yo. Dites-lui parce que vous êtes venu ce soir, vous repartez avec des signes et des prodiges. Et na lingio me présenter comme na yo yebisa je m'appelle signes et des prodiges. En même temps, vous vous présentez, vous dites comme na ngai bilembo pe bikamuzele. Bete la Yesu maboko makasi. Acclame fortement pour le Seigneur. Biso awa ton dimi signe et ton dimi prodige. En cet endroit, nous croyons aux signes et aux prodiges. Et l'okondondimi yangonde tozo mona. Et ce en quoi nous croyons, c'est ce que nous voyons. Okopimate lolengi okoti awa nabutu ale. Vous ne sortirez pas tel que vous êtes venu ce soir. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Yepsa muninga na yo zambe oyo amona kayonso. Dites à votre voisin, le Dieu qui voit tout. Le Dieu qui voit tout. Nanya pambulami na marathon. Qui a été béni depuis que ce marathon a commencé? Ce qui au pambulami te osa bébé chrétien. Si vous n'avez pas été béni, vous êtes encore un bébé spirituel. Parce que c'est profond.
Ma prière. Et le côté écho échappé vision na yo lisusu. C'est que plus rien n'échappera à votre vision. Et le côté écho échappé regard na yo. Plus rien n'échappera à votre regard. Avant et le côté salema au komona yango. Avant qu'une chose ne se produise, vous la verrez. Na kombo na Yesu masi. Amen. Alléluia. Amen. Praise the name of Jesus. Alléluia. Lobby. Yeah. Nous avions commencé à voir. Ba principe. Les principes. Qu'il faut. Ce qui est lingozo na la position ya komona na molimo. Les principes dont vous avez besoin si vous voulez pouvoir voir en esprit. Voilà. Alléluia. Amen. Tomonaki, premier point. Et nous avons vu comme premier point Jean alobi na Apocalypse. J'étais un esprit nazalaki na molimo. Jean dit dans Apocalypse, j'étais en esprit. Et abandi komona. Et de là, il a commencé à voir des choses. Mutu yonso oyo alia koma na dimension ya komona en esprit, il faut oza la mutu oyo ozo tambola na spiritualisation. La personne qui voudrait arriver à une dimension, il arrive à voir en esprit, doit d'abord entrer dans la dimension de la spiritualisation. Est obligatoire. Et cela est obligatoire. Alléluia. Amen. Nangito tanga. Apocalypse chapitre 4 verset 2. J'aimerais que nous puissions lire Apocalypse chapitre 4 verset 2. Nazana tante na zongela parce que les autres limto sambela mingi. Nasina préparer ba fils de prophète. Je n'ai pas le temps d'y retourner, je voudrais que nous prenions le temps de prier, j'ai déjà préparé les fils. Tomona ki denge Yesu azomona makambo avant et salema. Nous avons vu comment est-ce que Jésus voyait les choses avant même qu'elles se produisent. Asi amoni que Pierre a kowanga na ye trois fois. Il avait vu d'avance que Pierre allait le renier à trois reprises. Malgré qu'il a lobby encore Pierre à Lapinda et Amin la kelami ma be na kowanga na yote atana kokufa na yo asali monokonyoso mais suka suka e kokisami. Malgré que quand il a dit à Pierre, Pierre a fait des imprécations, il a juré, il a dit moi je vais mourir pour toi. Au finish, ça s'est produit comme il avait dit. Alléluia. Amen. Pour te dire que ce qui aussi au monie est loco. Pour dire que lorsque vous avez déjà vu quelque chose. Ba pumbwa na tongo, ba pumbwa na moi, ba pumbwa na butu, et koko kisama. Qu'il vole le matin, qu'il vole à midi ou qu'il vole la nuit, cette chose-là va s'accomplir. Est-ce que nazote yamut? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Amoni pe Judas. Il a vu aussi Judas. Alobi. Et il a dit, c'est lui qui va mettre ses mains na katia sani zungu moko na ngai kaka ye wana. Celui qui trempera le pain au même moment que moi dans l'assiette, c'est lui qui me trahira. Et il avait déjà vu. Et ça s'est produit. Amoni Nathanaël. Il a vu Nathanaël. Lorsqu'il était sous le figuier. Le sambo na lobi boye. Et ma prière, je dis ceci. Parce que Yesu a lobi. Parce que Jésus a dit. Oh ye asalaki. Ce que lui a fait. Effrayoso. Toutes ces œuvres qu'il a faites, nous aussi, nous les ferons, et même des plus grandes. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est pour dire que Yesu azo mona yope, il faut mona double fois. Pour dire que si Jésus avait vu, vous aussi vous verrez doublement. Zambia si a moni destiné tout tracé à Joseph, asi a talisi Joseph. Okozala boye. Okozala boye, okozala boye, okozala boye. Est-ce qu'il y a kokisamite? Dieu a vu d'avance la destinée de Joseph et lui a montré. Voilà ce que tu seras, voilà ce que tu seras. Et au finish, ça s'est accompli. Un de mes fils ici à Zawana avant d'aller, yo penza tu comprends kayote. Okomata, osali makamuna yo otei, ozob, ozakunate, okosilisa. Oye bipona ni papa. Nasina moni kala. So, tellement que nasina moni plaza mbazo memangai et loko yonso ezo salema na kati wana ezo ningisangai te ato telemi le loko na television oligosa ngai scandale
nakobanga eloko moko te oza komi scandalize yo moko parce que nasina moni a bible lobi azazambe oyo amonaka kouta suka ya likambo kouta na ebandeli asia la kisingai so ya yo ezo banki sangai. L'un de mes fils m'a dit, je suis surpris de voir que peu importe ce qui se fait autour de vous, vous n'êtes jamais secoué. Alors bien, vous allez bouger. Vous n'êtes jamais secoué. Vous comprenez. On ne comprend pas. Pourquoi vais-je bouger? Parce que Dieu m'a déjà montré. Tout tracé. Le chemin tout tracé. Monde. Et que j'ai vu. Bawana bazaba dodan. Oyebi dodan. Ça, ce sont des dodan. Vous montez, vous descendez. Vous continuez. Bazaba dodan pona nzela ozo kende. Nayoki amen nayo biete. Même si vous rencontrez un dodan sur votre chemin, sachez que ce ne sera pas votre fin. Vous allez continuer la course. Il faut banakomona. Vous devez commencer à voir. Et couper ça yo courage. Ça va vous donner du courage. La foi. La foi. La paix. Kimia. L'assurance. Tant que vous traversez l'ombre, hein, vallée de l'ombre de la mort. L'assurance. Alors que vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, vous n'aurez peur de rien. Alléluia. Amen. Parce que aussi au Yébi te dit place aux okéni. Parce que vous savez d'avance où vous allez. Joseph a dit à Yébi qu'il y a comme un mot causé. Joseph savait d'avance qu'il serait le chef. On l'a jeté dans la fosse. À prison. Il est entré en prison. Mais il savait d'avance. Est-ce que cela ne s'est pas accompli? À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous verrez va s'accomplir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. So, na lingi oyebake. J'aimerais que vous sachiez que pourquoi na destination ya makambo yosozo sala. Pour arriver à la destination de vos œuvres. Ce mystère. Il faut à la partie ya vie na yo quotidien. Doit faire partie de votre vie quotidienne. Alléluia. Bazana misu, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. N'appelle cet exemple, Moussous. Je vous donne un autre exemple. Gehazi et Élisée. Gehazi na Élisée. Nani aza perturbé tango amoni basoda. Nani azala ki aningani. Qui était agité lorsqu'il a vu les soldats? Mais nani azo mona na misu ya oyo. Qui voyait avec les yeux physiques? C'était Gehazi toujours. Yango aza perturbé. Raison pour laquelle il était perturbé. Abangaki. Il a eu peur. Mais mutu ya molimo. Mais l'homme spirituel. Oyazo mona na misu mususu wana. Qui voyait avec les autres yeux. Ye abangaki te. N'a pas eu peur. Atali ya FCI. Il a regardé et lui a dit. Baoyo bazana biso. Ceux qui sont avec nous. Baleki oyo. Sont plus nombreux. Il était posé calme. Azalaki na kimia nyonso. Soki ozana ngolu ya komona. Si vous avez la grâce de voir l'avenir, atambonge dengeni nezo beta contre yo. Peu importe les tempêtes qui soufflent contre vous. Okozala calme. Vous serez calme. Amen na yo esepeli singati. Amen. Un moment yebi ke Yesu a ebisi Jesus. Sala no kino ki sala evre na yo. Sala musala na yo ye mission na yo. Kokisango noki azo bangé le côté asia yebi ayebi peke tango na kukufa pe na kuse kwa dans 3 jours asia lobi ango 3 so azana ye à l'aise. À un moment Jésus a dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Il n'avait pas peur parce qu'il savait que même quand je vais mourir après, je vais ressusciter. Il était à l'aise. Yango il faut tout le monde. Voilà la raison pour laquelle nous devons voir. Ça fait partie de notre identité en tant que bana zambe. Ezali identité na biso en tant que enfant de Dieu. La Bible dit Dieu ne révèle ni Dieu ne fait rien sans révéler ça à ses serviteurs les prophètes. Bible elle dit nzamba sala ke lokomo kote avant que atali sabasali na ye basakoli.
il y a des choses qui doivent être révélées. Ezana makambo esengeli etalisama. Soki ozana ba révélation ya makambo mususu okozana na susite. Si vous avez la révélation de certaines choses, cela va détruire le souci en vous. Okozala na susite. Vous n'aurez pas de souci. Parce que si yebi place est OK. Parce que vous savez déjà quelle en sera la fin. Yambango luana lisusu na butu alelo. Recevez cette grâce là une fois de plus ce soir. Alobi yambango luana lisusu na butu alelo. Recevez cette grâce là une fois de plus ce soir. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Apocalypse. Chapitre 4, verset 2. Apocalypse 4, verset 2, mm-hmm. Darby. Sur les champs, je fus en esprit. Je fus en esprit. En esprit, hein? Et voici, un trône était placé dans le ciel. Tanguazana katia molimo. Pendant qu'il était en esprit, il a commencé à voir. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. 3. Et celui qui était assis était, à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardius. Et autour du trône, un arc-en-ciel, à le voir, semblable à une émeraude. Amen. Amen. Azalaki na molimo. Il était en esprit. Balamoko. Subitement. Abandiko. Il a commencé à voir. Ça, c'est le premier point, Lobby. Tanga lingala pour na kine deuxième pongo tukutu. Lisez lingala pour qu'on avance. Lingala makanja. Noki noki na jalaki kati na molimo. OK. Na moni kiti na bokonji. Azalaki kati ya molimo pe azali nini amoni. Na lobi apati ya meno okobana komona. Amen. À partir de maintenant vous allez commencer à voir. Amen. Mais comment on les a réservés pour na bati oyo bazana kati ya molimo, pas na kati ya musuni, pas na kati ya chair. Alléluia. Alléluia. Les visions sont réservées à ceux qui sont en esprit, pas à ceux qui sont dans la chair. Bati oyo ba monaka baza bati oyo baza charnel te. Les gens qui voient sont des gens qui ne sont pas charnels. C'est vrai. Na koya na ngoza point ya suka. C'est vrai que nous sommes pas parfaits, mais il ne faut pas être la mode de vie na yo. Dès que vous êtes trop charnel, misuana et comme on a clair. Et ça, c'est le dernier point sur lequel je vais arriver. Il est vrai que nous ne sommes, personne n'est parfait. Mais lorsque vous êtes trop charnel, ces yeux-là spirituels ne verront pas. Deuxième point, il faut sembler consistamment. Le deuxième point, nous avions dit, si vous voulez voir un esprit, vous devez être constamment en prière. La Bible nous a dit dans Luc 3, verset 21, quand Jésus fut baptisé, et tant qu'on va se baptiser, la Bible dit, azo sambela, balamoko lola et fungwami. La Bible dit dans Luc 3, 21, alors que Jésus fut baptisé, alors qu'il sortait de l'eau et priait, subitement le ciel s'est ouvert. Pierre aussi, abandiko sambela na jopa, et balamoko. Abandi comme une vision. Et Pierre, de même, alors qu'il a commencé à prier, directement, il a vu une vision. Les gens qui ont marché avec le Seigneur depuis longtemps peuvent témoigner de ceci. Les hommes et les femmes de prière sont des hommes et des femmes de vision. Quand tu pries beaucoup, ce qu'on se semble la mingi, tendance y a chair et kitaka, tendance y a esprit et mataka. Les tendances de la chair baissent et les tendances de l'esprit s'augmentent. Nazo koya kosa yote, séjour ici na la laka, ce qui est ya kaka, tantôt au moni na reposé, ce qui est yé. C'est ça. Il faut un chrétien qui prie. Et prayerful Christian is a powerful Christian. Un chrétien qui prie est un chrétien puissant. Alléluia. Amen, on est se félicite d'être. Totangi lobi, nous avons la bandi ko sambela.
Pierre a commencé à prier. Et ses yeux se sont ouverts. À mon vision. Il a vu une vision. Trois hommes baillé kolmonaï. Il y avait trois hommes qui sont venus le chercher. Il les a vus avant même qu'ils arrivent à la maison où il était. En plein prière. Cela s'est passé en plein prière. Alléluia. Amen. So, ça c'est le deuxième point. Alléluia. Amen. Troisième. Troisième point. Il y a prière en esprit. Soko bandi lo ba makamba ko sambela ezane loko ba bengaka ko sambela na molimo to na miloko ya sika. Prier en esprit, prier en esprit, c'est-à-dire prier en langue. Meka luza padayendos. Eklonia makatuza. Ko sambela langue. Prier en langue, c'est ce que to bengi prier en esprit. C'est ça qu'on appelle aussi prier en esprit. Et quand tu pries en langue, et tant que vous sommes là, na monoko ya sika, et j'appelle ça moto na molimo. Cela attise le feu dans votre esprit. Alléluia. Amen. Your spirit man is fired up. Votre esprit est enflammé. Voilà. Yango fosa la chrétien oyo azo sambela langue mingi. C'est pourquoi vous devez être un chrétien qui prie beaucoup en langue. Jude verset 20. Jude 20. Jude verset 20. Jude verset 20. 20, voilà. Mais vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre vous sainte foi. Vous édifiez vous-même sur votre sainte foi par priant par l'Esprit Saint. Priant par l'Esprit Saint. Batuba sambela ka langue mingi. Les gens qui prient beaucoup en langue. Esprit nabango. Leur esprit Eza yakolamuka. Est éveillé. Et facile. Baba nako capturer makambo na molimo. Et il est facile pour eux de capter les signaux spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eza la nanzela ndoto. Que ce soit par des visions. Par des visions. Que par lui. Mais que prier en esprit. Sachez que la prière en esprit. Et tient qu'à moto na molimo na yo. Attise le feu dans votre esprit. Alléluia. Amen. Et zo mema réveil na molimo na yo. Ça apporte un réveil. Bolamoki na katia molimo. Yango la Bible dit to sambela sans cesse en esprit. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse en esprit. Alléluia. Amen. Alors prier sans cesse en esprit. Sambela tango nyonso na molimo. Pona nini? Pourquoi? Parce que eza secret munene. C'est un grand secret. Soki olingi okota na mulongo ya bato ba monaka. Si vous voulez entrer dans le rang de ceux qui voient, si vous voulez que vos yeux spirituels s'ouvrent, il faut sembler en esprit. Vous devez beaucoup prier en Paul, esprit. Paul, apôtre Paul, l'apôtre, qui a écrit, ou a commis, presque un dambou, il y a Nouveau Testament. Plus de trois quarts, il y a Nouveau Testament. Alors, j'ai pris en langue plus que vous tous. Il dit, Nassambela kanamino kwa sika, kole kabino nyonso. Mais Paul a vécu par expérience surnaturelle. Et dans la façon que a mis transporté, Molimo Santo est transporté qui est dans le troisième siècle. Et Paul. A moni makambo, alobi, mwena partage na bino. Exact. À cause de cela, Paul a vécu des expériences surnaturelles au point qu'il a été transporté par l'esprit au troisième ciel et a vu des choses qu'il n'était pas possible de partager aux hommes. Et à l'obé, j'ai pris à l'an plus que vous tous. Et il dit, Nassambela kanamino kwa sika, kole kabino nyonso. Paul azamutu oyayebi sekele ya kosambela en langue. Paul est quelqu'un qui comprenait le secret caché derrière la prière en langue. Ce que vous semblez en langue. Lorsque vous priez en langue. Ils ont matissé yo na esprit. Cela vous accroît, vous fait grandir spirituellement. Okubana kozwa ba révélation.
Et de là, vous allez commencer à recevoir des révélations. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Ephésiens 6, 18, Darby. Priant par toutes sortes de prières et de supplications. Attends, ils ont prié ya bolingo. Attends, ils ont prié ya bitumba combat. Attends, ils ont prié ya quoi que toutes sortes de prières, mais en esprit. Il dit toutes sortes de prières, prières de pétition, prières de combat spirituel et que sais-je encore. Il dit toutes sortes de prières en esprit. Voilà. Yebsa moninga na yo. Soki oza baptisé te. Il faut oser la baptiser dimanche au baptême de Saint-Esprit Zali Awa après culte. Alléluia. Dites à votre voisin, si tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, tu dois nécessairement. Sinon, vous allez rater ma kamboebele. Sinon, vous allez rater beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu pries en esprit, ezo matisa yo. Tangozo sambela na molimo, cela vous fait grandir. Il faut obana kosala exercice ovandi obandi 15 minutes tango mesani na 15 okomi na 30 omeni ke olongi 30 okomi tina ine tio kuma kosala 12 temps en temps sala exercice spirituel ya kosambela pendant des heures. Vous devez vous exercer. Commencez d'abord par 15 minutes. Une fois que vous avez maîtrisé la prière en esprit pendant 15 minutes, passez à 30 minutes, ensuite une heure, et bientôt vous allez commencer à prier plusieurs heures en langue. Ce que moni mundi mi oya za baptisé na molimo mosantu, mais langue na ye échange ka vocabulaire te. Et kali tengu mo des années, il a dit ok, azana vie de prière te. Si vous voyez un chrétien rempli du Saint-Esprit parler en langue, mais depuis Abanda baba 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 pendant plusieurs années ça ne change pas. Atayo moko. Baba 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 baba. Ani passé. Ani oyé. Baba 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 baba. Ani kuna baba baba baba. Ata okomi baba. Quand même il faut échanger. Moi na oyu azo yeko la koloba. Soki abandi maman, papa, après okomona tonton, yaya, akakoma koko. Abandi ko changer ba vocabulaire. Dengi azo yoka. Dengue moko en esprit, il faut vocabulaire na yo échanger. Un enfant qui apprend à parler commence d'abord avec maman, avec papa, et puis un jour vous l'entendez dire yaya, vous l'entendez dire grand-père, et puis après il commence à formuler des phrases. De la même manière aussi, lorsque vous priez en esprit, il faut que votre vocabulaire s'accroisse et change. Alléluia. Amen. Hein? Version français courant. Oui. Tout cela, demandez-les à Dieu dans la prière. Mm-hmm. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Avec l'assistance de l'Esprit. Na lisungi ya molimo santo. Yambangolu ya kobana ko sambela langue à tout moment. Recevez la grâce de commencer à prier en langue à tout moment. Ngonga zo itize kotonga batu oyo bavandi bazo menevi na bango ozo tonga bango na yebiti ozo luka nini kotonga batu ezo sala yo nini ngonga wana itize ko sambela en esprit. Le temps que vous perdez, que vous gaspillez à critiquer tout ce qui passe, tous les gens que vous connaissez, investissez ce temps là à prier en esprit. Depuis obandi kotonga bango pe bazo kende liboso yo zo zonga sima okotika ngote atayo moko. Depuis que vous avez commencé à les critiquer, ils continuent à avancer et vous vous reculez. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut arrêter maintenant? Il y a des gens, ministère Nabango et Songbeto. Ministère ya Songbeto, Kotonga, Tonga. Degaye boye, asi amoni makambo, akotonga. Ngai, na yoki kutuke, soki na lati ble, na rouge, degena. Degetos, wile bono, esi komi na ngambu kuna, lelo a lati boye, akalingi suki. Alati boy, asali boy. So, maintenant, est-ce que vous montez que vous avez commis ça mabe, mais vous êtes tonga même mutu azo kende liboso. Okotika yangote. Yemza muninga na otika viwana. Otika viwana. Dites à votre voisin, arrête avec cette vie là. Alléluia. Amen. So ministère na yo na église ezande Songbeto. Songbeto. Votre ministère à l'église est celui de Songbeto. Au lieu de dire qu'on a un esprit,
au bâtir esprit na yo. Au lieu de passer ce temps-là et l'investir à bâtir votre esprit. Bamba masolo ezangitina oyo bozo beta des airs au vent du zoo l'exa air au lieu spiritualiser par moment wana et matsayo en esprit. Des conversations à terre qui vous abrutissent. Au lieu d'investir ce temps-là à vous spiritualiser et à accroître votre esprit. Nazo préparer mon thème nanga. Ezapo bana oyo bana oyo ba bazala na école balinga. So qui dès que bazo collaborer na WhatsApp wana nazo milongwa na kati. Eh na komi kokanga ngosi koyo. Ah so qui ulingo koma mutu oyo akoma na omona des choses en esprit. Il faut babiloko mondain ebana ko kufa bongo osomata si parce que nyoso mibale etambola ka ensemble te. Si vous voulez être quelqu'un qui monte en esprit, il faut que tout ce qui est mondain soit rabaissé parce que le mondain et le spirituel ne marchent pas ensemble. Papa nanga ya bolimo neti voda comme na biso awa kuna na mboka ba pesie unité ya libela na libela, c'est-à-dire ako benga boy ati ango polele 24 sur 24 ako foute lo côté ba pesie unité ya libela metala mutu ango ayef singa ye moko na munoko na ye zate ke mutu moko ye ko hef sanga lobi mwana soki oligozo anga benga ngai chaque jeudi parce que jeudi kaka nde na fungula ka telephone tala niveau na yazana avion azana yoso. Kinshasa mon bimba. Mon père spirituel, on lui a remis un téléphone avec un crédit illimité. Mais malgré cela, il m'a dit de sa propre bouche, si tu veux m'atteindre, appelle-moi seulement le jeudi. Si c'était certain d'entre nous, crédit illimité, Asimba ka téléphone seulement jeudi. Il ne touche à son téléphone bon que le jeudi. Pourquoi? Asia sosoli makambo oyo biso to sosolité. Il a déjà compris les choses que nous n'avons pas encore compris. Biloko wana soki okebite oyebi ko gérer ngote e ko gérer yo mabe et longoli yo musika na zambe. Que si vous ne savez pas gérer ces choses là, ce sont elles qui vont vous gérer et vous amener même loin de Dieu. Vous gérez, mais nous devons commencer maintenant à bien gérer les WhatsApp, les Facebook, les Twitter. Parce que ça va distraction. Est-ce qu'il y a aussi? Ce sont des très grandes distractions. Na lobi tala moi si na mobali na ndako. Au lieu bazala na communion, communion bango et commis démon oyo. Démon oyo et commis communion na bango. Mutuna na kaja salon mutuna mutuna coin communion exacte bolingo câlin exacte communication dialogue exacte dialogue est comme oyo. Hommes et femmes, mari et femme dans la maison, plus de communication, plus de câlins, plus de bisous, plus de je t'aime. Kende na balabala na Europe mboka yonso na Europe na re okomona na tali batu aller dans les rues en Europe, dans les arrêts de bus en Europe, tout le monde est na kati ya bus, dans le bus neti akota na kati eloko yo comme s'il veut entrer à l'intérieur du téléphone. Gonga yonso zo perdu na makambo okoko spiritualiser vie na yo te. Tout le temps que vous perdez dans les WhatsApp, vous pouvez spiritualiser votre vie. Beta maboko bien. Version mon nouveau. Tandis que par toutes sortes de prières et de supplications, vous priez en toutes circonstances. En combien de circonstances? En toutes circonstances. En esprit, en langue. En esprit. Yango Monique na yaki dernier premier jour, deuxième jour, troisième jour, na bito ba osambe la langue. En priant en langue, délivrance bani ko nani amoni yango. Délivrance bani. Ezanguya. C'est la raison pour laquelle depuis le premier jour, chaque soir je viens, je dis prier en langue et dès que nous commençons à prier en langue, les délivrances commencent parce qu'il y a de la puissance à l'intérieur. Yambangolo ya kosambela en esprit.
Recevez la grâce et priez en esprit. Na kombo na Yesu Masia. Amen. La Bible dit celui qui prie en langue édifie lui-même. Motozo sambela na monoko asika azakomi tonga ye moko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que mtu moko apambulami? Ngai papa. OK, point mususu. Un autre point. Quatrième point. Quatrième. Voilà. Et ça, quatrième, ça, sixième, cinquième, comment gaga? Oh. La Bible dit, amen. Quatrième point. Quatrième point. Zala en contact. Be in constant touch with God all the time. Either by meditation, by the word, by worship. In constant touch with God. Soyez en contact permanent avec Dieu, soit dans la lecture de la parole, la méditation, l'adoration. Voilà. But be in constant touch. Soyez en contact permanent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Posant bien avant de révéler ma cambonaye. Ou bien ma cambonayo a révélé yo. Il faut communion ezala entre yo na ye. Pour que Dieu commence à vous révéler ce qui est à lui, il faut au préalable qu'il y ait une communion entre vous deux. Est-ce que nazo te yamoto? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Aujourd'hui, lui, il peut venir dans ma maison parce que communion ezali entre ngai, relation ezali intime. Pendant des années. Lelo oyo, nakoko kota nanda kwa dadi tina chambre kutu. Parce que il y a une relation qui a été développée avec dadi depuis plusieurs années. Il y a des choses privées que je partage avec lui que je ne peux pas partager au monde. Ezana makambo mususu ebatama oto sololaka o nakoko sabatunyo sauté. Alléluia. Amen. À cause de quoi? Communion. Pourquoi? Parce qu'il y a la communion. Il est une relation. Relation. Olingi o banakomona makambo en esprit. Vous voulez commencer à voir des choses. Bâtir. Relation na yo. Votre relation. Nazambe. Avec Dieu. Nazele la méditation de la parole. Par la méditation de la parole. L'adoration. Kumba melanzambe. Ezamutuya mengi. Cela est très important. Alléluia. Amen. Ces choses-là écomatent sa esprit na yo. Makambwana vont faire grandir votre esprit. Posez-la en contact na esprit ya zambe. Pour que vous puissiez entrer en contact avec l'esprit de la Dieu. La Bible dit Dieu est esprit. Bible le dit nzambe za molimo. Celui qui doit l'adorer en esprit et en vérité. Oya linya kumisaye sengeya kumisaye na molimo pe na solo. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Osana, aussi longtemps que Osana katia chair, Osa charnel, makama molimo ezapona yote. Aussi longtemps que vous êtes charnel, oubliez les choses spirituelles. Est-ce que mtu moko apambulami? Est-ce que mtu moko apambulami? Ngai papa. Écoute-moi. Yoka. Cette chose est un avantage naï. Et loko yo est un avantage nango. Mais je peux te dire que désavantage est un belé, ce qui est bien de gérer en côté. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de désavantages si vous ne savez pas comment gérer vos téléphones. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont mis ça entre nos mains. On n'a plus le choix. Ba camoufler et encore metina eza musika koleka oyo yozo yeba wana. Ils ont camouflé, ils ont dit non, c'est pour communiquer. Mais il y a une autre utilité qui est cachée derrière. Comment tu ko distrait ba santo oyo na zambe na bango? Comment est-ce qu'on peut arriver à distraire le chrétien de son Dieu? To pesa bango un petit dieu, dieu mususu yango oyo. Mettons-lui un autre dieu entre les mains. Il s'appelle téléphone. Alléluia. Amen. Au vendi na lokoyo, workshop, Facebook, papa, okoye bate 3 heures ici les cas, neti 3 minutes. Dengi ozo, bugun oyo azu. Bugun. Mukolomoko
avant na longwa na Facebook soki messenger na banini wan yo zebi le kote ngai na yebani koleka yo hey eh message daddy oh, shalom papa oh yo shalom partout na mete boyete boyete avant que je ne quitte Facebook sachez déjà que je suis plus connu que vous. J'étais sur Facebook, les messages ont commencé à pleuvoir. Shalom papa. Bonjour daddy. Que Dieu à vous bénisse. À un moment, Nazan en chat, n'a 10 personnes par an. Même temps, 10. Et à un moment, j'ai été dans le chat avec 10 personnes. Oyo Londe. Oyo. Angola, daddy na bangona bi. Boko poma daddy oyo. Je vous ai dit, ces daddy là, vous allez les tuer. Oyo yeko baby sande ba oyo bakomi ko linga daddy nanzela ya Facebook. Facebook. Azui tendez-vous. Babanga kate papa. Alléluia. Na bengi mwana nangana bi bomangai na fe na ebite babu makani boma. J'ai appelé mon fils, je lui ai dit enlève-moi de Facebook, je ne sais pas comment. Déconnecte, détruis le compte. Il y a des gens qui ont bloqué Bango dans le workshop. Bloqué. Il y a déjà d'autres que j'ai bloqué maintenant sur WhatsApp. Parce que Mitungisi et Leki. Trop de dérangements. Dadi Akorozala en ligne. Bonjour papa. Zambé a pêché au temps. Gérance au temps et sa responsabilité na yo personnelle. Dieu vous a donné le temps. Mais la gestion du temps est votre responsabilité personnelle. Dieu ne peut pas gérer le temps à votre place. C'est à vous de gérer le temps que Dieu vous a donné. La spiritualité coûte. Ça coûte. Amen. Amen. Combien de temps vous avez gérer le temps? Comment vous allez voir Dieu alors que vous ne lui accordez pas votre temps? Tala ngonga zo pesa chéri na yo oyebi comment ngonga o leli efo na tongo sio komi bonjour chéri mutema na ngai hein soleil ya vie na ngai sucre ya te na ngai chaque matin amour de ma vie o sio komeli mais tata wana likolo nano lobite ke amour de ma vie. Kaka soki oyé na église bazo yé bazeme moko obimisi ba mama e moko ya crocodile maya crocodile ozo lela. Certains d'entre vous à peine réveillés le matin c'est bonjour chérie, je t'aime, tu es le sucre dans mon thé, la fleur dans mon jardin, mais le Dieu qui t'a créé tu ne l'as même pas encore adoré. Est-ce que na kosi ozoga okosite papa okosite ok kozwa ba vocabulaire ya dengue ya dengue. Pona chéri wana, mais combien de vocabulaire aussi aujourd'hui pour naye? Vous allez prendre même les versets des cantiques pour écrire à votre chérie, mais vous n'avez pas récité les cantiques des cantiques pour Dieu. Ezaya solo ngai na sina veki yango kaka hawa na église batu bavanda na kati église mutu muzuzu akomi cantique des cantiques abeti yango na sima a passer moninga kaka hawa na kati église. J'ai déjà que Dengue au Seigneur et kaukate bolingo nangai pona yo et kokiko kaukate jamais. Kaka na kate église ici. J'ai déjà vécu ça ici dans l'église. Quelqu'un a pris un bout de papier, il a écrit le verset des cantiques des cantiques. De même que le Seigneur ne tarit pas, mon amour pour toi ne tarira jamais. Et il a fait passer le papier à la personne qui était derrière. C'est du vécu. Mobali azo comme la moi si paye abatu. Na kati église. Na kati kakaawa. Babanga kate papa. L'homme écrit à la femme d'autrui le cantique des cantiques. Je te dis que na moni cantique des cantiques wana tena vilanga a cause ya eloko wana nde na yebike ezalaka na cantique des cantiques chapitre 8 verset 9 et verset 7 et vandi na mutuna nga libela. Je ne savais pas avant que c'était un verset des cantiques des cantiques jusqu'au jour où j'ai vu cet écrit là. Je sais que c'était cantique des cantiques chapitre 8 hein, verset 7. Alléluia. Amen. Mais combien y a aussi au l'obélie chaque matin? Combien de fois avez-vous déjà avant parlé là aussi au l'obélie combien de mots? Vous avez dit combien de mots au Seigneur avant de dormir? Mais au lingi non, ils à la caboète. Et vous voulez que Dieu se révèle à vous? Non. La spiritualisation a un prix. Comment mon limo, ça coûte.
Ezana talo. Parfois, eko eko sala ke oza la retirer, déconnecter na mokili. Par moment, ça va vous séparer, vous détacher. Vous détacher du monde de temps en temps. Tozana chouate, tozana mokili. Nous n'avons pas les choix, nous sommes dans le monde. Il faut topima. Devons sortir. Devons rencontrer des mais gens. Mais après tout faire. Mais après il ça. Faut songa. Il faut rentrer. Ozala naye. Être avec lui. Mashobara ne mayende genia. Meshobare masobaro. Mesuza parate kedo sodo. Mesa kulia mashara bayande. Melo melo masadoye. Melo melo masadoye. Mesuza pade gado basadedo. Merosa bade dadadu. Alléluia. Amen. Créer temps. Créer du temps. En contact avec lui consistamment chaque jour. Bon, on a quoi na contact na ye mikolo nyonso tango nyonso. OK, na ici. Makamususu na solo na tata oyo. O ye a solo la ngai. Akoko yipsa mokilité, mais azo yipsa ngai. Alléluia. Est-ce que yo kubana ko yipsa batu makambo na yo batu oyo yo yebite? Non. Il faut relation ezala. Ezala. Po oxala na confiance ko yipsa ngai makambo na yo. Ngai pe na yipsa yo makambo na ngai. Il faut relation moko denge moko yo na zambi olingo mona makambo. Il faut relation intime ezala entre vous deux. Est-ce que nazote ya batu moko? Il y a des choses que j'ai dit à cet homme, il y a des choses qu'il a partagées avec moi qu'on ne peut pas partager avec le monde. Mais pour avoir la confiance de commencer à partager ces choses, il faut qu'il y ait une relation intime entre nous. De la même manière, si vous voulez que Dieu partage avec vous les choses qui le concernent, vous devez avoir une relation intime avec lui. Maintenant, ayebi kututeke naza musika. Deux semaines passées. Il ne savait pas, il y a deux semaines passées, que j'étais très loin. Il ne savait pas. Malgré que ça m'écoute, na bengi na roaming, na, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Mais que ça m'a coûté, je l'ai appelé par roaming, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas au pays. Naza na mbokate. Ce qui n'a pas. Kitana Lubumbashi na yo yakao. Quand dès que j'arrive quitter Lubumbashi, arrivé à Kinshasa. Je lui ai dit d'ailleurs je serai à Kinshasa pour des funérailles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Relation intime. Une relation intime entre yo na zambe. Entre Dieu et vous. Et que ça la que fera que comme hein transaction spirituelle et salema entre vous deux. Que des transactions spirituelles, des échanges commencent à se faire entre Dieu et vous. Est-ce que votre moko a pambolami? Est-ce que quelqu'un est béni? Bana ko gêné WhatsApp, bana ko gêné Viber, bana ko gêné Facebook, bana ko sala ba gêne. Commencez créer temps pour na zambe na yo. Commencez à gêner WhatsApp, gêner Facebook, gêner Viber, c'est-à-dire faire des passer des jours, des heures sans aller sur Facebook, sur WhatsApp et sur Viber. C'est ça gêner. Alléluia. Amen. C'est très. Et loko yoso ezo mema distraction na vie na yo kata yango. Tout ce qui amène la distraction dans votre vie, coupez cela. Est-ce que nazote yabatu? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Est-ce que nazote yabatu? Est-ce que je prêche à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et dernier point. Point yasuka. Abstain from pollution, spiritual pollution. What will pollute your spirit, man? Abstenez-vous de la pollution spirituelle ou de toutes les choses qui peuvent polluer votre esprit. Ça, c'est là où les Romains s'envoyaient. Dieu n'aime pas la boue, le désordre. Il n'aime pas le désordre, le chaos. Alléluia. Malgré que tous en ngonga ya ngolu, bien que nous sommes dans le temps de la grâce, mais elobite ke osala n'importe quoi. Cela ne veut pas dire que vous devez faire tout ce que malgré vous voulez. Malgré que nous ne sommes pas tous parfaits, ngai oyo nazote ya naza parfaite. Bien que personne n'est parfait, y compris moi qui vous prêche. Mais Dieu est un Dieu de principes.
Nzambe azali nzambe ya mibeko. Soki okotisi salite na vie na yo, sukola balamoko. Si vous avez fait entrer de la saleté dans votre vie, lavez-vous à l'instant même. Apesi biso makila na ye. Il nous a donné le sang pour purifier biso. Pour nous purifier et sukola biso. Nous laver. Parce que na état ya saleté. Parce que dans un état de saleté, il n'y a plus d'écoulement entre yo na ye. Il n'y a plus rien qui coule. Est-ce que na zote ya batu moko? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Est-ce que mutu moko apambulami? Amen. Est-ce que mutu moko aza prêt ya kosambela? Ngai papa. Zambe alingi obana komona makambo mais ozana par na yo ya responsabilité. Dieu voudrait vous montrer des choses, mais sachez que pour cela vous avez votre part de responsabilité. Totangi Hébreux chapitre 9 à partir à verset 11 ti na verset 15. Lisons Hébreux chapitre 9 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15e. Ah. Verset 11. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur de biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. 12. Et non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang. Et entrer une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. 13. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés sanctifie pour la pureté la chair. 14. Pour la purification de la chair. Aha. 14. Combien plus est le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche. C'est-à-dire le sang de Christ est un goya ya ko purifier chair na yo. Le sang du Christ a la puissance de purifier votre chair. O lingi o koma na dimension oyo o ba omona makambo en esprit. Il faut o misu kwa ma temps en temps na makila na Yesu. Vous voulez arriver dans la dimension où vous arrivez à voir en esprit, vous devez régulièrement vous purifier par le sang de Jésus. Soki ozui salite na nzoto na maboko na nzoto na makolo o sala kanini. Lorsque vos mains sont sales. Na molimo pe makila na Yesu esukolaka biso. Lorsque vos mains sont sales, vos pieds sont sales, le réflexe c'est que vous vous lavez. De la même manière, lorsque nous sommes sales aussi spirituellement, le sang de Jésus nous lave. Verset 23 à sauter. Verset 23. 22. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang. Combien de choses? Toutes choses. Naïo moko. Y compris vous-même. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang selon la loi. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. 23. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, makila na Yesu et sopama ki pona biso pona musala ya purification. Cleansing. Le sang de Jésus a été versé pour nous pour accomplir le travail de la purification, du nettoyage. Alléluia. Amen. Denge tozabo emuti moko ti azawa oyo aza parfait. Tel que nous sommes ici, personne n'est parfait. Quand Dieu te regarde, ce qui nous a battu, et le croiseau mona, ce qu'il voit, le sang. C'est le sang. Le sang. Akila. Na Israël. En Israël. Na Égypte. En Égypte, bana Israël. Les enfants d'Israël, bango nyonso wana te baza parfait. Ils n'étaient pas tous parfaits. Et loko e proteja ki bango eza makila. Ce qui les avait protégés, c'était le sang. Quand je verrai le sang, tango na komona makila, alobi na kosimba ndako na bango te. Ne toucherai pas à cette maison. Nakoleka. Je passerai par-dessus.
Ndeko. Cher frère. Kima pollution spirituelle. Fouillez toute forme de pollution spirituelle. Eza. Tal. Pona ekulmon omona makambo na molimo. Cela va constituer un blocage qui empêche l'écoulement des visions spirituelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 1, verset 7, 8, 9. Mm-hmm. Jean chapitre 1, verset 7, 8, 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Voilà. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et ça, la nini? Purification. Nous purifie. Il sait que vous et moi en avons besoin. Alléluia. Uh-huh. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Alléluia. Amen. Moussala ya makila ezanini pona purification. Le travail, au cas où tu es pollué. Le travail du sang, c'est la purification lorsque vous êtes pollué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Olingi. Okoma na dimension obana mona makambo. Zambe abana urevele yo makambo. Il faut okima pollution nyos. Vous voulez arriver à une dimension où Dieu commence à vous révéler des choses. Vous devez fuir toute forme de pollution. Parce que carnality has no place with spirituality. Parce que être charnel n'a pas de place avec la spiritualité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. For you to be spiritually up, you must be carnally down. Pour être spirituellement au-dessus, charnellement vous devez être en bas. Oyezo kufa, oyezo mata. L'un meurt, l'autre s'accroît. Mais ce qui charnellement oso mata, yeba que spirituellement oso kufa. Lorsque vous commencez à monter charnellement, sachez qu'au même moment, vous êtes en train de mourir spirituellement. Bazaba kamarade. Les deux ne sont pas amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça a tendance dès que vous êtes matin à molimo. Et ça automatique au moment que makamboya yanzoto ezokufa. Ezokufa. C'est automatique dès que vous commencez à monter spirituellement, vous allez remarquer que les choses de la chair commencent à mourir les unes après les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les dos ne marchent pas ensemble. Poete bango mibale batambola kanzela mo côté. Soki obeti libaku. Si vous trébuchez, appliquez le sang de Jésus. Sale la makila na Yesu. Avancez. Continuez ko kende libaku. Est-ce que nazote ya moto? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où il y a la pollution spirituelle, esika oyo salité na molimo ezali, écoulement ezali. Kokita ya biloko ko te pa na nzambe ekozala te. Alléluia. Amen. Est-ce que mutu moko apambula mitanga papa? Quelqu'un est-il béni? Verset 7. Kasi soki tozali kotambola na pole ndenge nzambe moko azali pole, biso nyonso tokomi lisanga moko. Pe makila na Yesu mwana ya nzambe elongoli biso mbindo nyonso ya masumu. Oyoki? Makila na Yesu ezali nini? Elongoli biso mbindo nyonso ya masumu. Mbindo nyonso ya masumu. Colossiens 3 verset 1. Colossiens chapitre 3 verset 1er et 2. Mm-hmm. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Uh-huh. Verset 2. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Alléluia.
Amen. Et ce qui est comme style de vie na yo, si cela devient votre style de vie, vous n'allez plus aller en descendant, vous allez commencer à monter. Tala denge makambo komeli Elisena Eli. Eli a lobi soki o moningai loba mona. Mona. Parce que soki Elise a monité à cause de double onction. Et loko pesi Elise double onction a moni. Na sambeli okobanda ko mona aussi. Amen. Na lobi okobanda ko mona aussi. Amen. Na lobi okobanda ko mona aussi. Amen. Voyez ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Lorsque Élie lui a dit, si tu me vois, alors que je serai enlevé. C'est-à-dire, si Élisée ne l'avait pas vu, il n'aurait pas reçu la double portion. Et je prie que vous commenciez à voir aussi. Yangoana Zalamutu en esprit, sambela consistamment, et prier en esprit, en langue, et Zala en contact. En relation avec Dieu, ton Dieu, par la méditation dans sa parole, l'adoration, nyoso wana ezo jouero et aussi kima pollution nyoso. Okaweye mi petola na makila na Yesu et continue. Est-ce que nazote yabatu? Alléluia. Parce que la Bible dit il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui sont. Maintenant, pour nous clôturer 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Nous sommes à partir du verset 9. Ma fils et prophète, pose la position. Alléluia. Est-ce que vous avez un peu de temps? Le sang est un peu de temps et comme il y a aussi au monde. Déjà vu et comme un mot de vie. Na yo. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Okoba na komona makambo avon e komela yo. Na kombo na Yesu. Amen. Aha. Ma prière est qu'avant que quelque chose vous arrive, vous le voyez à l'avance. 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais selon qu'il est écrit, c'est que l'œil n'a pas vu. L'œil n'a pas vu. Et que l'oreille n'a pas entendu. L'œil misu oyo ya polele amoni angonano te. Mato yoyo ayoki angonano te. L'œil physique n'a pas vu, l'oreille physique n'a pas entendu non plus. Et que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. C'est que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Nani alingiza mbia. Qui aime Dieu ici? Na lingina ipsa oki abongisi makambo kitoko pona yo. Je viens vous Yango dire. Wana okoki ko sepela chaque jour atozana kati ya moto na minute oyo. Yeba ke lobby oko batu bakokumisa zambe na yo. Je viens vous dire que Dieu a préparé des bonnes choses pour vous et que même si vous êtes dans le feu aujourd'hui, réjouissez-vous parce que demain les gens vont partager votre témoignage. Navandi nazota la image denge ba samash media bazo like ça 2012 2013 ici papa tozaka na kati ya boîte oyo siko na comparer na lelo tala place to komi tala na ezalingo kaka 2 ou 3 ans metala makamuzambi ya siasa siko na vandi na obi oh soki tangwana mure zana nwawa siko na tali dandwa son siko tokozala wapi. Mais d'ici 3 ans, j'ai regardé les images, des images sur sa marche TV de 2013. En ce moment-là, le mur était encore là. Nous étions tous seulement dans ce petit temple. Et je me suis dit, seulement 3 ans plus tard, voilà comment Dieu nous a élargis. Tu ne sais pas là où Dieu va t'amener d'ici 3 ans. Oza Awa. Tu es là. Dengue au côté à Walelo et Zalongue, Dengue à la Tio Kota lobby. Et Zalongue à la Tio Kota na 2018. Na combo na Yesu Masia. Tel que vous êtes entré aujourd'hui, ce n'est pas de la même manière que vous allez entrer en 2018. La Bible dit les yeux n'est pas encore vu, ni les oreilles. À monité à Yokina noté, Makambozambe a préparé pour na Yonangaï.
Il dit, l'œil n'a pas encore vu, l'oreille n'a pas encore entendu ce que Dieu a préparé pour vous et continuez. Moi. Version Parole de vie. En effet, les livres s'en disent, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Okay. Eh bien, ces choses-là, le bas, ces choses-là, Papa. Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Maintenant, verset 10. Verset 10. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout. Même les secrets les plus profonds de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, Yoka. Soki matembelende okote kapotonga ndako. Soki okokiko mona na molimo okotonga bandako na matembele. Kobosa na te kamara na ngai. Nani asia moni yepona ngai. Ichekacheka. Baluba. Ichekacheka. Alleluia. Kaka na eloko na ye wana. Akomista. Si vous allez vendre des légumes pour construire une grande maison, si seulement vous pouvez le voir, ça va s'accomplir. Vous savez pourquoi vous luttez? Vous suffit aux révélations, au monde na molimo, ce que Dieu veut de toi, vie na yo eko changer. Il vous suffit de voir en esprit ce que Dieu veut de vous et votre vie va changer. Est-ce que na lobby makam? Est-ce que je parle? Soki yo ki makam na lobby beta caché amen ya nzoto mne. Amen. À partir maintenant, yonso sengeli omona okobana komona yango. Na lobi okobana komona yango. Na komona yes. Silisa. À partir de maintenant, tout ce que vous êtes supposé voir, vous allez commencer à le voir. Verset 10. Mais Dieu, verset Gauthier, s'il vous plaît. Verset 10. Et c'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Verset 11. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne, sauf l'esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Mais non, c'est ça, verset 13. 12. Verset 12. Oui. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Voilà. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a fait. Alléluia. Amen. Vasio Moussoualobi, nous pouvons les connaître toutes les choses. Toutes choses. Une autre version dit Tokoyé Babilo. Que Dieu nous a donné librement. Alléluia. Amen. Par l'esprit. Une autre version, s'il vous plaît. Nani aza prêt ya kosamela. Qui est prêt pour la prière? Maman, oyebi ke jen na yo jen wana eko diminuer eko kufa. Soki okoki ko mona kaka. Oyo zambe azo mona pona yo. Oyebi ke c'est fini. Parce que ce qu'il a dit à Josué, vois, moi j'ai livré Abraham, tous les pays, toutes les terres, tous les pays que tu vois, na pesio. Et loko Abraham a joui esa limité lié na oyo a monaki. Misu ya polele oyote, misu ya kati. Parce que okoko monaki sasa mobimate na misu oyo. Vous savez, Josué a moni Jericho te na misu polele oyo. Élisée a moni ba char nini na misu oyote. Et loko yonso koko capturé na misu ya kati tozoloba et kopé sa melayo. Tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux spirituels vous sera donné. Est-ce que vous pouvez comprendre? Lisez. Version mon nouveau, verset 12. Oh, nous avons réussi
nous n'avons pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Enfin, de pouvoir connaître toutes choses que Dieu nous a données volontairement. Combien de choses Dieu vous a données volontairement? Toutes choses. Mais afin que tu aies. Madame, si à tracer vie na yo, destinée na yo, bénédiction na, élévation na yo, c'est déjà fait. Il faut de yo au monde. Dieu a déjà tout tracé. Ça va pas si il est ça. Mais vous devez le voir. Verset 12. Oui. Or, nous avons reçu, nous, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin de pouvoir connaître toutes choses que Dieu nous a données volontiers. Toutes choses que Dieu nous a données. Une autre version? Est-ce que quelqu'un est béni? À partir maintenant, okobana komona oyozame azo mona pona yo. Amen. Amen wana ezamu ketro. Amen. À partir de maintenant, vous allez commencer à voir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Et Jérémy. Il dit à Jérémy. Je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Et ça fait peur. Avant que vous ne soyez formé. Tel que nous sommes ici, Dieu nous a connus avant que nous ne soyons formés dans le sein de notre mère. Vous êtes surpris que vous étiez enfant d'une maîtresse. Mais Dieu savait que vous seriez enfant d'une maîtresse. Est-ce qu'il a dit Ismaël a koufa? Non. Est-ce qu'il a dit que Ismaël devait mourir? Non. Ayebi alobi pe alobi à cause de la boye. Il savait son avenir et il a dit, voilà ce qu'il deviendra. Alors, il sera béni aussi. Akopambo maye pe. Yoka. Et loko yo sozanda bongisipona yo. Eko échappé riga na yo ya molimo lisusute. Amen. Okoba na komona yango na komona Yesu. Amen. Tout ce que Dieu a prévu pour vous n'échappera plus à votre regard spirituel. Lingala ya lingala. Biso tozwa ki molimo euti na mokili oyote. Oyoki biso tozwa ki molimo oyo euti na mokili oyote. Kasi tozwa ki molimo oyo euti na Nzambe. Poto koka koye babolamu ye akabela biso. Alléluia. Apati amenon bolamu na ye yonso akabele yo. Okobana komona yango. Amen. Okoye ba kwa fe. Amen. Okoye ba lolenge ni ya kotambola. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Amen. A partir de maintenant, vous verrez la bonté du Seigneur. Saurez comment marcher et vous saurez quoi faire au nom de Jésus. Na ligo sambe la ningi ovaniwana. J'aimerais que vous commenciez à prier alors que vous êtes assis. Ouvre mes yeux pour que je voie. Tout ce que tu as réservé pour moi. Tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, ouvre-moi les yeux que je voie. Au nom de Jésus, priez. Ils sont à Cana aujourd'hui, mais il leur avait donné Cana 400 ans plus tôt. Même si à l'axi bango nzela boyende bokoleka. Soki boleki oyo bokokufa mais awande bokoleka. So eloko yo seza tracé. Il leur a montré les chemins. Si vous passez par là, vous serez détruits. Mais par ici, vous aurez la vie. Tous les chemins étaient tracés. Na ligyo sambe la zambe fungola misunanga na mona nzela o traça ki pona ngai. Priez le Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les chemins que tu as tracés pour moi. Na ligina bunga nzela te. Je ne veux pas me perdre mon chemin. Sois tout tracé pour ma destinée. Oh, tracé nzela nyo se pona destinée. Oh, yes, fungola misunanga. Ouvre-moi les yeux. J'aimerais que vous puissiez vous tenir debout parce que nous sommes arrivés au temps du combat. Au moins le secret à David. Le secret de David. David azamutu oyo amonaka. David était quelqu'un qui voyait. Yango na losambo na ye. C'est pourquoi dans sa prière, atiango,
Il a écrit cela. Alobi. Il a dit. Ouvre mes yeux. Fongolanga miso. Ouvre mes yeux. Fongolanga miso. Et je verrai les merveilles qui sont dans ta loi. Pena komona makambo minene oye batami na bibeko na yo. Natuni. Je pose la question. Est-ce que David est aveugle? Est-ce que David était aveugle? Prière wana ouvre mes yeux est aveugle. Azan aveuglement. Quand il disait ouvre mes yeux, c'est-à-dire qu'il était aveugle? Non. Azoloba misu ya molimo, misu ya kati, misu ya mutema. Il parlait des yeux spirituels, des yeux du cœur, des yeux de l'intérieur. J'aimerais que vous priiez aussi. Taladengiza mbe atrace via Joseph, atrace via Abraham, atrace via ya Jérémie, atrace ki via bana Israël. Ko banda na Égypte, asia talisi bango ba koma na Kana. Yonso eza tout tracé. Yo pe eza tout tracé. Voyez comment Dieu avait tracé la vie de Joseph, la vie d'Abraham, la vie des enfants d'Israël en disant qu'ils vont sortir de l'Égypte pour entrer dans la terre promise. Votre vie aussi est déjà toute tracée. Alléluia. Amen. Na lingio sambela. J'aimerais que vous priez. Ouvre mes yeux. Fungolanga misu. Pona mona nyoso osio trasa ki pona destinée. Et que je voie toutes les grandes choses que sambela tu as tracées pour na ma destinée. Priez de tout votre cœur. Panda ko sambela. Priez. Yes. Mantorobo shaka barabayaba. Sambela obana nzambe fungolanga misu. Ouvre-moi les yeux ce soir éternel. Fungolanga misu zambe. Namona zela osio trasa pona ngai. Namona programme na yo pour ma vie éternelle. Yes, programme. Namona plan na yo pour ma vie éternelle. Yes, fungolanga imisu Seigneur. Yes, sobo shanda. Namona na poko alelo. Be brakata baraba shanda baraba yande. Be kaluba yaba shakata baraba yaba. Fungolanga imisu ngolo. Fungolanga imisu éternelle. Be kaluba yanta brade. Ma breketeria shanda baraba ya. Olobiete tu connais les projets. Ngai pena connaître les projets wana zambe. Bekaluba shaka tabarabaya, ma brade kaporia, berubaya shanda barabaya, rekete bere, ma breketeria, fungolanga ibisu, bisu nangaye fungoma, mantorobo shabarabaya de, me breketeria shaka shabaya namaya teke, parabachade, bisu nangaye fungoma, bisu nangaye fungoma, bekariaba shanda barabayaba, in Jesus' name. Marc chapitre 8 verset 23. Marc 8 verset 23. Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit en dehors du village. Il met de la salive sur les yeux de l'homme. Il pose les mains sur lui et lui demande: est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle ouvre les yeux et il dit: je vois les gens. Je les vois comme des arbres. Alléluia. Bible lobi avec la lobi na somona mais na somona batulokola banzete yoka ekoriske muto na lipamboli na yo mio somona lokola nzete okosambela na poko lelo misu ya komona clairement ndenge samba zomona omona lokola nzete te mais omona clairement samba pesa yo na poko lelo mashoba daga ya staga beka ya bashanda baraba ya terebosa ma brade kaporia basha eyes of God concerning this commission misunangaye fungoma misunangaye fungoma na komona batu nangaye lokola bansetete Misunayo fungoma. Beka labaya toboza. Ma brade kaporia shade. Me tebere be shandari ya barabaya. In Jesus' name. Toko.